déferlement lit. Force City affronte sans cesse. Dans ce monde post-apocalyptique, les êtres suprêmes maléfiques. Ils se cachent dans les monolithes construits par la société démonique. Rosetta les a forgés pour corrompre et dominer. On les lit contre les espoirs sont déclamés dans la poussière du passé. Oh, les combats, seuls contre le destin. Ils courent lentement, ne laisse pas tomber. Oh, les pas toi. La lumière dans tes yeux éclipse les ténèbres. Ta force est contagieuse, tu briseras la planète. Les monolithes construits par la société démonique. Rosetta les a forgés pour corrompre et dominer. Oh, Lily combat, seul contre le destin. Il corrompt lentement, ne laisse pas tomber. Oh, Lily, pas toi. Les loups sont le trône, le corrode sans relâche. Et ses espoirs sont déclamés dans la poussière du passé. Oh, Lily, pas toi. Les ruines sont leur trône, l'ombre rôle sans relâche. Les espoirs sont éclamés dans la poussière du passé. Oh, Lily, bats-toi. La lumière dans tes yeux éclipse les ténèbres. Ta force est contagieuse, tu briseras l'anathème. Et déclare le match. Et bonsoir la compagnie. Voilà, Shock Fury, on est de retour sur One Semaine. On a une petite mission en stand-by. On va essayer de faire les cartes au trésor, parce que ça fait un moment que j'aurais dû les faire et que j'ai une petite mission saisonnière. Donc on va faire ça, on va s'amuser tout plein. Mais tout de suite, tout de suite le jeu. C'est mieux. Voilà, parce que ma tronche c'est bien. Mais voir le jeu, c'est mieux. On va tout de suite miamer et boiffer. Elle avait faim. Elle a mis le temps. Bon, c'est hydraté, c'est pas hydraté. C'est hydraté. Ok, allez, hydratez-vous bien. Surtout avec ces températures en ce moment. J'ai réussi à choper à la Wish Machine le plan de la grosse batteuse qui fait des flammes. Complètement fou, vous allez me dire. Mais j'ai pas les compos pour la fabriquer. Et à mon avis, je ne les aurai pas sur cette session-là. Potentiellement, peut-être par la suite. Est-ce que je cuisine des trucs? Peut-être plus simple. Je pensais faire ce petit plat ici, et j'avais pas calqué que c'était de l'aloe vera déviante. J'ai déjà pas d'aloe vera, il faut de l'aloe vera déviante. Je vais devoir mettre des abeilles. Soupe de maïs, ça par contre c'est parti. Ça fait quoi? Gadget shrapnel, je les utilise pas. PV max 10%, c'est bien, mais sans plus. Régénère lentement les PV.
Let's go. Ratatouille protoplasmique. Augmente la vitesse de déplacement de 20% et réduit la consommation d'endurance. Let's go. Let's go. Où est-ce que j'ai chopé ces plans, moi? Bon, bah écoutez, il va falloir que j'aille vendre à un moment ou à un autre. Halloween. Et fuck! Je dois créer un troisième frigo. Il va vraiment falloir que j'aille vendre. Il va vraiment falloir que j'aille vendre. Allez. Ça, je l'emmène pas. Ça, j'emmène pas. Ça, je n'emmène pas. Ça, je n'emmène pas. Soupe de maïs. Ça, je place. La bière. Toujours. Je vais la mettre. Je vais la mettre en raccourci parce que j'en ai toujours besoin. Ça, c'est donc régénère lentement les PV. Ça donne, ça calme la faim aussi. Ça, 100% d'énergie. Très bien. Il faut que je mette ça encore dans le frigo et on est bon. Tac, tac, tac. Donc, on va se diriger vers le silo Theta que j'avais raté. J'avais raté le silo Theta. Le Theta raté. Moi, j'ai encore deux plats de viande que je peux faire. Augmente les dégâts de shrapnel. Boost de PV. Hop. Hop. Ça, c'est pas intéressant. Huile de maïs au bout du sucre. Non, bah le reste. Le reste, on fera avec. C'est pas grave. Allez, je vais encore me faire bousculer par le dino. J'ai besoin de rien sur moi. On va y aller. On va y aller directement. Alors, téléportation. Ici. Il n'y a pas de tour. Il faudrait que j'aille l'activer. Celle-là, ça ferait. Ah, ça y est, il y a eu de la prime à Loire. Ah! Y a eu de la... je reviens, pouf, il y a une prime à Loire qui se finit. Ah! Bande de chalots. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Donc. Où est-ce que je dois m'asaler? On va peut-être enlever le marqueur rouge. J'enlève le schmouls. Ça, ça me fait le chemin de pointillé. Mais comment je l'enlève? Enfin, comme ça. Hop là! La tutu! On en est où du plein? Ouh! Elle a soif, la pépette. Elle a plus soif. Here we go again! Papidou! Get the cool! Patata papat! Il a fait quoi en haut de son toit, lui? Yes! D'accord, j'ai juste ces textures qui ne chargent pas en fait. Ah! Ah oui, c'est stylé. D'accord. C'était pas prévu au programme, mais on va aller le faire, ce petit event. Enfin, effectivement, encore quelqu'un qui fait du... Il fait du pétrole, elle ne peut savoir qu'en faire. Ça, les trucs noirs par terre, c'est ça qu'il faut trouver pour pouvoir pomper le pétrole dans le sol. Tout simplement. Tout simplement. Et ouais. Et j'ai pas mis les abeilles. Et ouais. C'est bien de pu avoir buté tous les lapins, maintenant je peux faire la course avec eux. Gagné. Oh, un camion. Dans les camions, il y a des jolies choses. Petite meute de loup là-bas. J'ai pas regardé la production d'acide, je suis en train de me dire, c'est pas grave.
désinfecte. Continuons de récoltater des feuilles et des choses qui se mangent. Parce que tout ça, ça se revend très cher. Ah, pardon. J'ai pas vu. Tu peux carboniser en... Oh l'autre ! Il est apparu devant moi ? C'était un loup furtif ! Saleté de saloperie de saleté ! Bébé. Silo, trop finement, X1 Pro. Le X1 ne m'intéresse pas pour le moment. Donc. Bâtard. Voilà. C'est fini. Tiens, ils ont même plus peur. Bien entendu, je ne sais plus où je suis censé aller, puisque une fois que tu sors de la zone, t'as plus de direction. On va ramasser des trucs au passage, et puis on verra bien. Hein ? Mais c'est voulu, le départ de la zone de brume. Joli, ici. Je m'attendais à ce qu'il y ait une route, mais c'est juste une barrière en... Oh, sérieux ! J'appuie sur... Merci. Non. Ces loups veulent mon Hulk. Allez, il en reste encore un. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Merci. Alors, du coup, où je suis ? Oh, bah ça va, je me suis pas trop éloigné, ça va. Oui. Oh, ces éoliennes partout. C'est pareil, hein, une éolienne, ça vit pas de 10 ans sans entretien. Hein. C'est pas possible. Oh, cool ! De quelle posture ? Ok, je suis pas sûr de l'avoir celle-là. Je l'ai pas installée. Tu me demandes que celle que j'ai pas installée, t'es chiant à la fin. Bon. Tu vas me redemander les mêmes ? Calme-toi, cocotte. Alors, denied. Et salué, je crois. Si c'était facile à configurer ça en plus. Non. Plus. Il est où ? Plus de fil. Carnaval, frissonnant, refusé. Ah, pour fusil de chasse. Ah oui, d'accord.
Je me suis cassé les noisettes pour un truc que je peux pas équiper. Ah, regardez, hein, peut-être qu'on peut le mettre sur le... Mais non. Stabilité, portée, on s'en fout de la portée. Vérifie, hein, parce que des fois leurs traductions sont quand même un petit peu à la zone. Voilà, donc je... Je me casse les noisettes pour quasi rien en fait. Cool! Allez! Le stylo Theta! Le stylo Theta! Volant. Ah oh, oh, c'est du cadeau bonus. J'en ai mis plein les yeux. Compensateur marteau. Retour dans l'inventaire. Bon, là, je sais pas sur quoi ça va, le compensateur marteau. Arbouche, pas ici, pas ici. On a toujours qu'un seul. Chargeur, on a toujours qu'un seul. Ah, c'est ici. Alors, stabilité et précision et la. Oui! Mais oui! Mais oui! Ah oui, je me rappelle du silo Theta. Ah oui, ça y est, me rappelle. Ça me revient. Je vais faire une fois ou deux sur la première bêta, puisqu'il n'était pas accessible sur la deuxième. Non, c'est bon, vous me foutez la paix maintenant. Mais cuit le loup. Oui. Oui. Il en manque un là-bas. Je me dis tout ça. Pas important. C'est cette barrière de cette autoplace. Je passe. Ah oui. C'est emmerdant cette histoire. Il m'a ramené loin en plus. Ça, c'est parce que j'ai pas buté le grand ancien, c'est ça?
T'es gentil de me vouloir me faire passer dans la barrière, mais ça passe pas. Je peux pas rentrer dans ta barrière, mec. Je ne voudrais pas que je me construise une base. Celui-là, je ne sais plus du tout ce qu'il vaut. Donc, c'est l'heure du caca caillou. Bon, il en faut 10, c'est ça? Encore une. Allez. Oh la vache, toi, tu t'es... Bon, un petit caillou. Un petit truc à minater. J'arrive tout de suite, Timan, hein, bouge pas. On peut lui poser directement sur le sol, ces trucs? Oula. Je vois des cailloux! Des cailloux, ça? Si, voilà des cailloux. Eh ben, bordel. Un endroit où tu peux pomper de l'essence. Ah. Ah oui. Oui. Forcément. Forcément, 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 oui. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Voilà, c'est ce qu'il faut. Petit demi-tour. Le dernier endroit où je m'étais posé sur le second PTB, ça. Alors, la kekite. Cher team... Je suis ici pour la nouvelle mission rémunérée. Just the person I wanted to see. I have a very special case for you this time. A decade in the making. Pile-poil la personne que je voulais voir. Nous avons un cas particulier cette fois-ci. Une exception en 10 ans. La phrase. Notre cause efflorescente, Lily Forsetti, le malheur a bientôt disparu de cette terre désolée. Rien à voir. Cette mission rémunérée remonte à 10 ans. I said it was a special case. The target is a very powerful deviant. Even a mayfly might struggle to bring down this monster. But I have to admit, the reward this time is... Oh, ça ne va pas être facile. La cible est toujours un déviant de classe haute, même un mayfly ne peut ne pas réussir à venir à bout d'un monstre aussi puissant. Well, limited. After all, the client is only a child. He doesn't have much of a budget to work with. Et je dois dire que la réponse, eh bien, elle est limitée. Après tout, le client n'est encore qu'un enfant. Il n'a pas beaucoup de budget. Fancy taking a look at the bounty and fulfilling a poor child's last wish? Qu'en pensez-vous? Voulez-vous voir la mission et accéder aux souhaits de ce pauvre enfant? Le client, Peter Sagan, a accusé les déviants d'être responsables du massacre de la côte. His tears mixing with the rain washing down his face. He was mortally wounded, but all he wanted was for me to bring his family back. Unfortunately, I'm not capable of that. However, I promised to bring him justice if he was willing to pay the price. Although a little later than expected, justice will be served. Client Peter Sagan a accusé les déviants d'être responsables du massacre de la côte au début de l'année 2028. La tragédie s'est déroulée au campement de la côte Est et s'est soldée par la mort de 11 personnes, dont les parents du client, Jim Sagan et Grace Sagan, ainsi que sa sœur, Ingrid Sagan, 9 ans. Parmi les autres victimes identifiées, on dénombre 8 autres membres de sa famille et
Les deux chats de race British Shorthair. Ils ont tué les chats, les ont tués. Suite à l'enquête de Timan, les faits ont été confirmés et le prévenu a été déclaré coupable en vertu de Malcode, blablabla, blablabla. Signé Peter, s'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. C'est pas, il dit pas ramenez-moi à la maison, il dit ramenez-moi ma. Je veux retrouver ma famille. Let's go! Non, je l'ai bien, hein, c'est bon. J'ai bon la mission. Enfin, ça me manque de pianoter sur l'ordi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il y a une statue derrière. C'est... Ok. On se souvient. Allez, let's go. J'avais quand même réussi à zapper un silo. Donc mon personnage était moins puissant. C'est fou, quoi. Cette espèce d'ondulation verte, là. C'est une échelle. Hein. Ok. Ok. Oui. Ah oui, quand même. Oh, écoutez, si vous avez des... Ah ouais, quand même. Ah ouais, ils sont costauds. Ils sont costauds. Voilà, ils sont beaucoup moins dangereux. C'est pas grave. Oh, il y a du monde en face qui arrive. Par contre, t'as pas de protection au crâne. À éliminer par là-bas. Carrément y envoyer le... Ça, c'est mon loulou. Parfait. Ça, c'est fait. Sécurisé, tranquillou. Voilà. Un peu en stress, j'avoue. Je sais qu'il y en a d'autres au bout de la pièce, donc on va pas enfoncer bêtement. Ok. Un alpaca. Ok. Rechercher la petite boîte ici. Allez, les bruits sont méga inquiétants quand même. Miam miam. Cette fois le truc a disparu, ok. Deux activateurs. Oh,
je deviens généreux. Le mec, il n'avait rien à foutre de moi, quoi. Ouais, oh. Ah, il me tire dessus. Oh, c'est pas grave. Ah. Oh, j'avais même pas fait gaffe, tiens. Qui était sympathique. Celui-là me fait courir plus vite, mais c'est pas celui que je voulais. Je l'ai pas emmené. Sérieux. Si, c'est ça. Voilà. Ah, nanana. Pas de gâchis. Entrer dans la régénération. Alors, ne nous faisons pas avoir. Voilà. Ça, c'est fait. On va y aller après. D'abord, je vais monter parce qu'il y a des choses à ramasser. Il faut juste que je retrouve l'échelle là. Non. L'échelle. Hop là ! Surprise ! Économiser balles. Yep. C'est moins cher que gratuit. Ah, non, non. Nul loot ne sera laissé derrière. Nul loot ne sera abandonné. Ou laisser derrière. Parce que c'est ce que signifie Ohana. Aucun loot ne sera abandonné. Loot ne laisser derrière. Là. Donc la petite zone là-bas qui dégorge de loot. Juste pour te faire croire qu'il n'y a rien d'autre. Petite weapon crate, parce que j'aime ça. Oh, joli. Hop. Tu rotates. Alors, dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Et on le fera en dernier, lui, comme ça me permet pas de me replacer. Dans quel sens il est ? Il doit être tourné de l'autre côté.
Allez, allez. Pivote, tu pivotes. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Lui, il a l'air d'être pas dans le bon sens non plus. Tu pivotes. Tu pivotes. Merci. Lui, il est pas non plus dans le... Il y en a pas un seul dans le bon sens, hein. Bon, c'est bon. Lui, pas dans le bon sens non plus. Et qu'ils sont tous à deux... Ah, lui, il est bon, lui. Ok. 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 Il me donne combien de... 72 protoplasmes. Mais il est tout seul, il est plus intéressant que de farmer le loup. Waouh. Conflit direct. Alors celui-là, je le connais pas par contre. Il va falloir que je démonte tout ça. Conflit direct. Si des ennemis sont à 7 mètres de vous, vous obtenez des 10 points. D'accord, c'est un truc complètement mêlé. Ok, d'accord. Donc on va pas y toucher pour le moment, je n'en ai pas besoin. On va écouter. Le loulou, je l'oublie. Il est plus intéressant de venir farmer ce boss-là dans le silo. Peut-être une chance de choper d'ailleurs une... anomalie, là elle n'est pas tombée, mais je sais qu'il y a une anomalie qui peut tomber ici. Une déviation, pardon. Ah. Vachement plus intéressant en plus au niveau loot aussi, quoi. Allez, on retourne, tu pivotes. Tu pivotes. 72 juste pour finir le boss secondaire. J'attends de voir combien je gagne. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, c'est très rigolo. Hop là. Merci d'être passé. Au revoir. Comme ça là, je suis même pas un loot quoi. Oh, il y en a une des deux, il y en a une des deux qui est fausse. Ah non. Ah, c'est gentil de pas avoir bougé. C'est gentil de pas bouger devant mon... C'est bon ? C'est bon. Il y a des gens qui me disent que le jeu devient facile. Bah, tu m'étonnes, c'est les mobs, ils se mettent juste devant ton viseur pendant qu'ils attendent que tu tires. Oui, forcément. Ah oui, non, c'est pas intéressant ça. Alors, je crois que ça vaut mieux les péter d'abord. Ah, d'accord. Bah, pas. Oula. Aïe. Bâtard, ils s'attaquent à mon chien. Bah, ils s'attaquent à leur boss, hein, c'est pas grave.
Ok. Ok. Champignons rouges fluo. Ah non, c'est des bâtons fluo. Ça va, j'ai 5 minutes pour vider la zone, c'est très bien. Là. Hop. Caisse de machin dans tous les coins. Autant se mettre bien. Il y a une caisse encore là-bas. Allez. C'est le dernier niveau, il doit me donner une cinquantaine de... Ok ? Ok. Donc le boss secondaire plus le boss principal, je me fais 2 x 7, 14, 150... je m'en fais 60 avec le loup. Ok. Ah mais ok, hein, moi ça me va. Ça me va. Alors la batteuse qui m'a refilé, c'est quoi ? Oh, c'est le prédateur. Oh putain, c'est la batteuse rapide. Ah. Il faut pas que je m'y attache. Faut pas que je m'y attache. Je suis en train d'économiser. Non, j'ai pas économisé. En fait, j'ai dépensé pour avoir la batteuse feu. Ah. Ah. Bah, vous savez quoi, on va la tester sur le. On va se refaire un deuxième coup et on va la tester. On va la tester. Parce que c'est une que j'hésite beaucoup à essayer d'acquérir. On va la tester. Je veux le max de stabilité. Toujours pas de chargeur pour la batteuse. Je ne peux pas la up, mais ça c'est pas un problème. Elle fait du dégât 188, mon autre batteuse fait du 284. Sauf qu'elle, quand elle tire, elle peut activer tir rapide qui fait que bah, elle balance encore plus de bastos, elle recharge de la. C'est complètement absurde. Par contre, je vais peut-être quand même vérifier qu'elle n'est pas chargée en mon. Pas en cuivre, c'est un peu débile. En cuivre. Voilà, beaucoup mieux. Allez, on va la tester. Hop là, Y, défi à nouveau. J'avoue que 150 protoplasmes. Correct, quoi. Allez. Je rappelle, c'est juste la batteuse qui attire rapide. C'est-à-dire que si je mets des mods qui permettent de faire que ce truc est bien, est amélioré, ça peut vraiment devenir très sale. Et là, je trouve que c'est quand même déjà très sale, en fait. Et qui, bien sûr, marche quand tes mobs ne sont pas blindés par le bug. C'est vrai que ça fait un barouf. Ah.
J'ai attiré leur attention. Avec les bons mods, bien calibrés, ça peut faire mal. Vraiment en plus. Là, je rappelle, elle est juste pas calibrée, elle est juste basique quoi. Oh! D'accord. Je sais pas où vous venez. C'est un petit peu abusé quand même. La manière dont vous arrivez. Donc je suis en train. Ah, ils l'ont peut-être entendu voler. Ils l'ont peut-être entendu voler, je sais pas. Normalement là il n'y a plus de loot. Rien d'y aller. Bon. Ma foi, elle est vraiment pas pratique. Elle devrait bouffer plus de munitions, mais vu qu'elle elle a une option munitions illimitées quand elle fait des hits intéressants, je vais juste. C'est quelqu'un qui est en train de me. Dans le combat. C'est pas grave, il attendra que je sois en combat pour. Ah bah oui, j'ai débloqué un slot. Bon. Bon, vous bougez ou pas? Bon, ils viennent pas. Alors. On va aller débloquer ça tout de suite, hein, puisque tant qu'à faire, voilà. Qu'est-ce que je peux utiliser? Amélioration de mêlée. Tranquille, j'entends des bruits de pas, pas loin. Chasseur de prime, après avoir vaincu une unité que vous avez marquée, oui. Chasse aux balles. Proportionnellement au nombre d'unités approches affectées par brûlure, augmente les dégâts d'embrassement de plus de 5%. C'est quand même pas mal. Hein. Plus au premier tour, après rechargement, dégâts instantanés sur tension et bombe instable. Ça. Bien quand le jeu met une musique de combat mais que je suis pas en combat. On a besoin d'un petit compensateur de recul quand même. Il n'en a pas assez de stabilité. Est-ce qu'on a avec plus de stabilité? Non. Ah! Non. Oui, ah oui, mais je l'ai pas. J'ai toujours pas de charge. Du coup, là, on va aller directement. Ok, il y a toujours le loot possible et. J'essaie de la toucher. Je sais pas comment. Visiblement, il n'y a pas de loot. Pas tant pis.
On va revenir sur le fusil de feu parce que je suis quand même. Je suis quand même configuré pour ça, donc. Allons-y. Et c'est très très intéressant. Donc il y a moyen de l'avoir pour 8000. 8000 protochromes. Je pense que si j'arrive à les avoir avant la fin du. Cette session, je pense que ce sera mon petit joujou. Ah, il est dans le bon sens, oui. Donc on est attaqué par lui. Il fait Michael Jackson, mais pas dans le bon sens. Voilà, le sens multidirectionnel, x2. Quoi, x2. Ça, hein. Et x3. Ah, et le... Allez. Ah. Il est mort. Incroyable. Incroyable. 72 et un arc pour. Il aime me provoquer. Il aime me provoquer. Il sait que j'aime les arcs. Les arbalètes. Dans ce jeu, ça n'a vraiment quasiment stricto aucun intérêt. C'est ainsi au début pour Pex. Pour Pexer, quand tu passes de la phase 1 à la 50, tu gardes les arbalètes et machin. C'est ce que j'aurais dû faire. Pas gaspiller des ressources. Là, c'est pareil, pas besoin de traîner pour le loot. Il y en a plus. Scrappy power. Ah. Jamais raté. Jamais raté. Je crois qu'il voulait faire ça vite. Eh bien, j'ai juste fait ça vite. Ouais, par contre, ces deux-là, ils vont m'emmerder. Mais... Ah. Aïe! Hop là! Tout va très bien! J'ai même pas imaginé avec un set corps à corps. On recharge. On charge aussi. Si je peux buter ces plantes-là avant de faire pop le boss, c'est un bonus. Oui. Restez là-bas, vous êtes très bien. Non, c'est très bien. La blague! Je me suis pris l'explosif à côté! Oh la blague!
Oh la blague. Oh le bâtard. Et donne-moi les mods. Donne-moi les mods, tout simplement. Oui. Je vais combattre. Bon allez, on va se le faire une dernière fois. Parce que ça me plaît bien. Je vais pas vous le cacher. C'est rentable. C'est rentable. C'est agréable. Par contre, mon arme a pris cher. Et chouette ton armure. De rentabiliser ce truc pour une fois. Voilà, c'est rentabilisé. Là-bas. On laisse le toutou faire que ça va fermer, fermer. Oh, quoique, on peut aller faire mumuse avec le toutou aussi. Ah oui, d'accord. De ne pas nous rater ce coup-ci. On s'est raté. Très bien, je vais revenir très souvent ici, moi, ça y est. Cet endroit me plaît bien. Pas s'arrêter, hein. Je voulais pas s'arrêter. Ah, il y a un loot. Ça n'en vaut pas la peine. Bien sûr. Musique de combat ici. Bien sûr, le jeu. Bien sûr. Alors, il est dans le bon sens. Dans l'autre sens, 2. 3.
2. Un ou deux, lui. Ouais, c'est bon. J'ai raté. Ah oui, il est dans l'autre sens. Voilà. Le ballon de baudruche, quoi. Je suis en train de m'en mettre plein les poches. J'ai en plus des super plans pour améliorer mes armes, quoi. Oh. Et parce que le fusil que j'ai là a déjà été amélioré, c'est pour ça qu'il va jusqu'à 60 bastos. Hein. C'est pas naturel pour le fusil. 60 bastos pour un fusil qui fait des flammes tous les 7 tirs. C'est goldé. Par contre... un petit peu marre. Je monte. Allez, lapin, ouais. Lapin, ouais. On doit vraiment falloir que j'arrête de faire le kéké et que je rentre à la maison pour réparer mon fusil. Et sinon, il va me péter dans les doigts. Je l'avais même pas vu, lui, tout à l'heure. C'est lui qui m'avait vendu. Le deuxième. Oh, on peut pas tirer sur ces trucs là. Ah. Ça passe aussi. J'ai bu une bière et il me remet quand même une dose. Oh, le bâtard. Déjà, celui-là, je ne le prendrai pas. Hop là. Ça marche pas si je suis en hauteur. Loul. Loul toutou. Allez. Pour se faire plaisir. Oh, outre monde. Pour se faire plaisir et augmenter encore ce fabuleux fusil d'un niveau. Qui est quand même goldené, quand même. Et on va d'abord donner la quête à... Bien, j'ai oublié son nom. Seaman. Et je m'arrêterai là pour ce soir, parce qu'en fait, j'ai des choses à faire à côté. Et ma bière a l'air de ne pas vouloir fonctionner. Ah, j'ai pris une bière de vitesse. Ah, mais quel con. C'est pas grave. C'était facile. Hello. Bonjour. Peter Sagan, c'est vous qui aviez posté cette requête? That's right, mister. My name's Peter, and I don't know what to say, but mommy told me I should always say thank you when someone helps me. C'est bien ça, mademoiselle. Je m'appelle Peter et je sais pas quoi dire, mais ma maman m'a toujours rappelé de remercier les gens qui m'aident. Thank you, mister. Thank you. Now I can finally go back
Merci, mademoiselle. Merci. Je peux enfin rentrer chez moi. Yes, yes. Very nice. We get the gist. Now, get out of here, Brad. And please, take this headache with you. Oui, oui, c'est bon, on a compris. Maintenant, file d'ici, Morpion, et prends ce mal de tête avec toi. Et vous croyez pas que vous pourriez être un petit peu plus sympa avec le gamin? Oh, don't you look down on me from that high horse. If you only had some idea of what my head feels like right now. Oh, gars, descendez de vos grands chevaux, s'il vous plaît. Si vous saviez comment ma tête me fait mal. I felt the reward was a bit meager, so I added some extra as a token of my thanks. I hope you find it satisfactory. J'ai trouvé la récompense maigrelette. J'ai donc ajouté un petit quelque chose en guise de remerciement. J'espère que cela vous ira. Cortex, planaire. Oh ! Ah, le jeu qui me tente ! Tentation acceptée ! Et d'abord... Voilà. Soignez ça. Avant de repartir à l'aventure. Je peux pas invoquer ma voiture. Il y a deux events. Mais c'est quoi ce jeu qui veut pas que je parte? Gatling, il y a un boss, j'imagine. Ah, dans les deux cas, les loulous vont être utiles. Ah, c'est vrai que j'avais dit qu'on devait faire les caisses de butin des lieux mystiques, machin. Eh hey, mais y'a que ça quoi qui tombe. Y'a que ça qui tombe quoi. Bon, de souvenir, l'autre elle était... Non, je vais pas couper d'arbre avec un caillou. Un peu plus tôt, j'ai essayé d'aller récupérer de l'aloe vera pour faire la version héroïque, mais c'est de l'aloe vera déviant qu'il faut. Donc ça veut dire qu'il faut cultiver soi-même l'aloe vera, lui ou l'autre. Il faut cultiver soi-même l'aloe vera. Pas la berlute, alors il était bien, il y avait bien deux Zedants. Là, on peut en faire qu'un seul dans une zone. Je sais pas. Oh bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc pas de pêche hein, ce coup-ci. On rentre direct et puis... Ciao les bambinos. Non, je déconne. On va quand même regarder un petit peu ce que je peux faire en augmentation sur le... Fusil de mes rêves. La pyro-calache. Et la batteuse, j'ai la batteuse qui fait des flammes aussi, donc si vraiment je voulais, je pourrais avoir la batteuse d'un côté et le fusil d'assaut de l'autre. C'est assez sale niveau flammes.
qu'on recharge. On va recharger dans la, de la voiture, tiens. Vous êtes chiant. Alors, fusil de sniper, fusil de mitrailleur, carreau de fusil en acier. Voilà. Ici. Ok. J'ai besoin de rien. Combien sont les munitions de fusil? Sniper, ça va. Réparer. Ah, ah oui, j'ai pas démonté les... J'ai pas démonté les petits cadeaux. Allons faire ça tout de suite. Mais c'est vrai qu'il faut que je vide la voiture, de toute façon. Il faut que je vide les munitions qui sont dedans, ça ne sert à rien. Surtout si mon plan sur le long terme, c'est de pouvoir utiliser la voiture pour téléporter les ressources, pour aller faire des... Ça m'a l'air bon. Ça n'a pas un très très gros intérêt, je vous avoue. Non, j'ai l'air pas briqué. Bon, moi. Ah. Rien du tout. Oh. C'est pas vraiment ce que je veux augmenter pour le moment. Mais c'est une bonne chose. Mais il me semblait que, j'avais chopé des trucs de fusil d'assaut. Non ? Les munitions sont là. Sniper. Mitrailleuse rapide, c'est peut-être ça. Du tout. Ok. Je n'ai pas de tungstène. Merde. J'ai du tungstène. Ça va mieux. Niveau de tungstène, ça va aller. C'est toujours des ressources que j'irai dépenser hors cam. Voilà, voilà. Si la table de schéma, ça pourrait servir sur les schémas que j'ai récupérés et pour pouvoir fabriquer. Oh, que je vais voir ça tout de suite. Oh, que je vais voir ça tout de suite. Ou que je vais la poser où cette table. Oh. Encore en haut. C'est mal, je commence à vraiment plus avoir. Je sais. Comme j'ai quand même une grande salle de bain, j'ai pas un seul aquarium dedans. Il faut réparer cette injustice. Voilà.
Alors, Mimetics. Je retrouve donc la table de bidouilleur. Ça. Ça. C'était ce truc là, bureau de concepteur permet de démonter des schémas de formules et de synthétiser des schémas. Ok, c'est absolument pas ce que je pensais. Fragment de schéma de formule. Fragment d'un pour un schéma de formule. C'est en démontant des schémas sur le bureau de concepteur. Mais je veux démonter. Ah ! D'accord, c'est pas ce que je pensais. D'accord. Ok, d'accord. Pour le moment, ça n'a pas un super gros intérêt. Mais sur le long terme, ça pourrait être pas mal. D'accord. Donc, c'est pas les schémas des armes, c'est les schémas du mobilier. Ok. D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. On va augmenter l'arme maintenant. Je suis certain de ne pas... Allez, rendons mon fusil encore plus puissant. Toujours pas ça. On ne monte que d'un niveau, mais c'est quand même pas rien. Hein. C'est quand même pas rien. Normalement, je vais pouvoir l'augmenter d'un second niveau. Pas très très longtemps. Wep, wep, wep. Je ne pense pas que je pourrais l'augmenter d'un troisième niveau. Donc je regarde attentivement ce que ça permet d'augmenter parce que je... J'ai un doute sur le fait que ça augmente plus que juste les dégâts, en fait. Pendant que tu niques un truc, rien du tout. Alors, ça augmente les dégâts. Voilà. Donc 680, ça veut dire qu'il faut que je fasse 6 passages là-bas pour le mettre au max. Et il faut du tungstène, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, là, on vient de gagner 2 niveaux dessus. Ouh, c'est déjà pas mal. Mendeavor était sensible au feu, ça aurait été pratique. Il ne l'est pas. Après, ça fait toujours un paquet de dégâts au fur et à mesure. Bon. Allez. On va aller. Faire câlin avec l'outil chat. Bien sûr, on n'a pas envie de venir. Bon, bah, c'est normal. Hein. Là. Si vous avez aimé, likez, commentez. Partagez, cliquez sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités. C'était Choc Furie sur Once Human. Je vous dis à tout bientôt. Ciao les potos. Et regardez les autres vidéos. Bye bye.